Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fer. J'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons Cat God's Ranch, le fameux chaminou d'huile sur le petit ranch. Bon, on avait pu faire la petite découverte de la vermine et les rongeurs qui était très sympa avec oiseau carnivore, le full combo aigle était exceptionnel. Du coup, on a pu débloquer une nouvelle difficulté et également le petit trésor chanceux. C'est quoi son passif? Public Welfare, c'est une sorte de RSA public, si on peut se permettre une traduction. C'est une sorte de revenu universel, globalement. Alors, gagner un ticket de loterie à chaque niveau. Donc le ticket de loterie, c'est cet objet qui, au bout d'un certain nombre de jours, je crois que c'était 10, eh bien, non, c'était peut-être 5, bref, on s'en fout. On gagnait entre 0 et 10 boîtes de conserve de nourriture pour le fameux dieu chat. Du coup, c'est plutôt intéressant, vu qu'on est haut dans les difficultés. Le rendement peut être très bon. Du coup, on va tester ça. Niveau famille, est-ce qu'on reste sur un carnivore, oiseau, vermine? Il y a les rampants après, il y a océan, il y a les insectes. Les insectes ne font pas partie des rampants. Joignez la glorieuse évolution. Ah, tous les rampants, ça va être tout ce qui est serpent, tortue, ce genre de choses. Donc il doit forcément avoir des combos océan. Ouais, parce qu'il y a les tortues de mer et tout, il y a pas mal de choses. Voilà, ça va bien, Rob. Donc c'est vrai que le combo peut être pas mal. Donc on va refaire cette triplette, j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, quelle est la différence entre la difficulté 5 et la difficulté 6? Il y a un niveau de plus. Les demandes d'offrandes seront plus élevées. Oh, il y a un panneau de construction qui apparaît tous les 25 jours. Alors qu'avant, on l'avait seulement au début. Alors on avait les deux. Mais attends, ça prenait 25 ou 30 jours à disparaître ce truc. Est-ce que ça se chevauche entre les deux? Et niveau objet, oui, on avait eu le bouton chanceux qui nous donne un refresh gratuit de la boutique une fois par... Ah, c'est par niveau en plus! Une fois par partie, j'aurais trouvé ça excellent. Ok. Le désert, on le débloque quand? Ah bah, dès qu'on complète la difficulté 7, il y a moyen pour qu'on découvre le range du désert ce soir. Ça va bien, j'ai des courbatures partout d'hier et j'ai déjà mal de mes douleurs d'aujourd'hui. Je suis en PLS, j'ai pu tester du matos que j'ai reçu. Donc là, mes petites soirées sur Cat God's Ranch, ça va faire du bien parce que niveau physique, là, je suis abîmé. Ah, ça met 30 jours à disparaître. C'est toujours 25 le premier. Ça met 30 jours. Ça veut dire que entre le... Oh mon dieu, entre le 25 et 30e jour, on va avoir deux barrières de construction qui nous kéblo. Oh, ça fait mal. Donc le ticket de loterie, c'était bel et bien, après 5 jours, on gagne des boîtes de conserve. Ah, donc ça veut dire qu'en commençant avec le trésor chanceux, on a la possibilité de faire un gain d'intérêt x2, voire x3, si on a de la chance. Bon, on a commencé avec quoi? Le petit putois, s'il y a du vide autour, il gagne plus 2. Le canard, oh, le canard, il est bien useless. Le coyote, s'il n'y a pas plus que 3 carnivores, il donne plus 2, sinon il fait en moins 1. Globalement, on a 3. Le canard ne nous sert à rien. Les animaux adjacents, avec des offrandes inférieures à 1, gagnent 2. Ok. Ça fait bizarre de ne pas choisir les animaux tout de suite. Il y a bel et bien 9 niveaux. Ok, c'est parti. C'est Geek Survo pendant que ça t'écoute. Ah, c'est bien. T'es toujours sur classique. Ah, le raton laveur serait sympa vu qu'on a un canard. Parce que les lapins, ils risquent de trop...
En fait, les lapins, c'est bien, mais faut vraiment en avoir beaucoup. Et avoir de l'herbe si on a de la chance. Parce que le chipmunk, bah, on n'a pas de vermine rongeur, donc déjà, c'est pas utile. Ah, le raccoon est sympa. Mais ça fait un carnivore avec le coyote. Allez, on teste le lapin. Vu que c'est un commun, il y a de fortes chances pour qu'on chope lapin. En plus, il y a le rat-lapin qui peut éventuellement s'accoupler avec. Monster. Faire une petite dinde. Je pense qu'on est en train de se rediriger vers un combo aigle. On a eu le x2 par notre objet avec 10% de chance. Ah, si je reprends un putois, ça refait un carnivore. Parce que putois est un carnivore. Je vais reprendre un coin-coin. C'est bon pour le premier niveau, on est tranquille. Un signe, le Phansirat, un chimpunk. Le rat, il serait tout seul. Pareil, le cygne. C'est les animaux qui combattent que avec leur propre type. Ça, c'est pas très intéressant. Je vais prendre un chipmunk. Vu qu'on a le lapin maintenant, contrairement à tout à l'heure. Ok, bon, pour le premier niveau, ça passe tranquille. Ah, on est passé de. On a gagné 4 conserves alors avec le ticket. Du coup, on a eu l'intérêt 2 fois. Ok, du coup, on se retrouve avec 18, c'est énorme. Alors, s'il y a moins que 4 carnivores, plus 5 offrandes chacun. Très intéressant avec le coyote. Repas gratuit. Caméra oiseau, j'ai jamais eu. S'il y a plus de 3 oiseaux du même. Attends. More of the same. Either 3 or more of the same bird on the field. Mais type d'oiseau ou... Je pense que ça va être type d'oiseau, ouais. Chacun plus un offrande. Bon, la couronne, ouais. Parce que deux vermines rongeurs adjacents, il y a 10% de chances qu'ils se reproduisent. On va partir full vermine. Un repas gratuit. Parce que c'est vraiment trop bon. On va reset vu que c'est gratuit maintenant. On a 5. Oh! Le talent carnivore. Ouais, on va repartir sur l'aigle. De prédation, c'est pas intéressant. Reproduction lapin 5%. Ils sont pas mangés. Problème, c'est que si je fais le nid, ce serait éventuellement pour l'aigle, mais ça me ferait dépasser les 4, donc c'est contraire à la couronne. Non, je vais prendre le talent carnivore. Du coup, on termine à 0, donc je vais utiliser le repas gratuit. Je repasse à 6, c'est broken. C'est broken. Je vais prendre l'enveloppe étant donné qu'on est au début. Et on va rester comme ça. Ça fait beaucoup de coin-coin quand même. Lorsque adjacent à des oiseaux plus 2. Ouais, on en a pas mal. C'est bien, il y a trigger. Des lapins. Une tonne de lapins.
Le putois va vite être. Va vite être entouré parce que si on part sur le rongeur, ça baisse dans tous les sens ces trucs-là. Pour me débarrasser de la dinde. J'ai peur de niquer mes lapins avec l'aigle. Mais il va falloir que je le fasse. Et voilà, il m'a bouffé un lapin. Ah non, il a préféré bouffer un canard. Eh bien, tant mieux! Tant mieux, tant mieux. Petit intérêt de 1. Brosse pour nettoyer. Lorsqu'une vermine est enlevée, gagnez plus 2 offrandes. Ok, jamais vu. Les vers de terre, probabilité que les races se reproduisent plus 5%. Jamais vu non plus. Talent pour oiseau. Boutique noire. Vente plus 6 canettes. Moins 100 d'offrandes lorsque vendue. Bon, bah on va reprendre une cave. Clean brush, c'est pas mal quand même. Je vais l'acheter, je vais refresh. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Les noix. Chipmunk plus 5 d'offrandes lorsque adjacent à la même espèce. Il y aura un niveau 2. Vermine sur la cave plus 2 offrandes. Oh. Il n'y a pas de cave en plus. Ouais. Ah bah ce sera le niveau 2. Attends, on a eu un niveau. Talent niveau 2 pour. En commençant le niveau 3. Carte de réduction. Canette utilisée pour acheter des objets moins 1. Oh! Il va becquer tous les canards. Je veux que tu manges la dinde. Si je reprends un prédateur, ça pue. Ouais. Donc ce sera un gros ratus. Un énorme rat. T'es mal à taille du rat. C'est bon, on a déjà quoi passer le 3. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas un rat lapin. C'est une souris lapin. Ça peut baiser avec les rats et les lapins, c'est magnifique. C'est ce qu'il nous fallait. Allez, faites l'amour. Bah, adios l'écureuil. Oui, il a fait un petit rat. Parce que le gros rat. Le gros rat, en fait, il pond des petits rats. Il n'a pas besoin d'être adjacent aux autres de sa propre espèce, comme les lapins. C'est pour ça que ça devenait vite fou. Oh là, il y a une triplette, là. Espèce de gros rongeur, hein. Oh, paresseux maintenant. Non, du coup, il m'a dévoré une canette. Une petite boîte de conserve. Salaud! Ah, je suis obligé de le prendre. Augmente l'appétit des prédateurs de 1. Il y a une cave en plus. Ah oh, oui. Ticket de loterie. 3. Prédation plus 4, je prends. Un objet super rare au bout de 10 jours, je prends. Je prends, mais tellement fort. Je prends un reset, de toute façon, c'est gratuit. Oh, il y a le talent niveau 3. Mangeur lapin, ajouté à travers la reproduction plus un journalier. C'est vraiment bien. Non, en vrai, non, non, en vrai, on est bon là, on est bon. Non, non, non. On va pas casser l'offrande. Enfin, l'offrande. L'enveloppe secrète, pardon, qui se trigger par les offrandes. Alors, le martre.
très intéressant. Le problème, c'est que ça nous ferait monter à 4 prédateurs. Et le coyote, ça deviendrait chier. On n'a pas encore une grosse population de vermine. Et l'aigle, il fait ripaille. Dévorer 2, reproduction 1. Ah merde. On va prendre le signe pour que l'aigle tape dedans. Il n'est pas allé là où il fallait. C'est bon, on s'est enfin débarrassé de la dinde. Quand même. Quand même. L'arc plus 4. Probabilité d'avoir des animaux super rares et précieux. Prédateur, je peux pas me le permettre. Pigeon non plus. Bon, bah, ce sera un lark. Capybara. Ah, c'est un booster, hein. C'est un booster, le capybara. C'est intéressant. Première fois qu'on le prend. On nous l'avait proposé sur la session d'avant. Mais j'étais pas chaud. Plus de ratus. Allez, payons 6. Oui, les prédateurs peuvent dévorer. Oui, les prédateurs de basse qualité. Et d'obtenir leur offrande journalière. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Puis la cave, hein, parce que la cave, c'est la vie. J'ai refresh au cas où. Oh, il y a niveau 3 encore. Avant maintenant, ça me ferait 7. Après, il y aurait un repas gratuit, ce serait royal. Pas de cave. Sinon, j'aurais pris talent cave. Tiens, si je fais le nid, j'ai une tonne de prédateurs. Enfin, une tonne d'aigles. Ah, ça peut être intéressant. Après, l'herbe pour les lapins, c'est pas perdu. Vas-y, je vais faire ça. Je vais vendre l'enveloppe secrète. Je veux vraiment spammer l'accouplement des gros ratus et des lapins. Bon, c'est voilà, pas spécialement utile. Mais en fait, c'est juste les lapins. Ils ont ce bonus de reproduction sur cette tuile. Et du coup, ça nous intéresse par contre. Et on se retrouve avec 2 talents niveau 3. Ça, c'est vraiment bien. Il bouffe tous les rats. Il a bouffé tous les ratus. Allez, le coyote, faut qu'il se fasse parfait, becté. Voilà, voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Ramambou, est-ce qu'il y a déjà 100 lapins ? Ouais, ben, je veux une tonne de lapins, je veux une tonne de vermine. Voilà, faites l'amour. Hein. Parce que là, il a rien pu becter. Parfait, on est très bien lancé sur le long terme là. Et oui, c'est ça, il y a 2 panneaux de construction qui nous ont. Qui nous kéblo en fait entre le jour 25 et 30. Je vais refaire un aigle. Ah, on a notre boîte mystère chanceuse qui a trigger. Trophée négligence. Ah oui, ils donnent leur offrande supplémentaire. Mais que ceux qui sont sur la rangée du dessus. Nous, l'ouvre-boîte. Lorsqu'un animal est dévoré, il y a 30% de chance qu'on gagne une boîte de nourriture pour chat. Oh, mais c'est ouf! Oh, la souris... La souris jouet. La vermine préfère rentrer sur les caves vides. Oh, les deux sont trop bien. On a 4 caves. Je vais prendre le jouet, très clairement. Il faut faire l'amour, hein. Toujours. C'est la base.
ils vont tous dessus. Parce que 4 caves, c'est quand même 12 emplacements pour la vermine. Et puis en plus, ils ont plus de chances de s'accoupler s'ils sont les uns sur les autres. Ça, c'est vraiment bien. Je vais... Non, juste prendre l'écurie. Il pourra se faire dévorer par un des deux aigles. Comme ça, par exemple. Oh non, il a préféré bouffer le rat plutôt que l'écureuil. Ok, séance boutique. Oh, une autre cave. Oui. Bah, là, les oiseaux, on les joue pas. Hein. Après, si... ouais, on a que deux aigles. Non, ça vaut pas le coup. Oh, un objet bleu. Le pot à caca. Le caca du capybara est sauvegardé lorsque le capybara est retiré. Il disperse tout le caca sur le champ en le multipliant par deux. Oh. La hyène, on n'en a pas. Enveloppe secrète 6 sur 9, je sais pas si c'est vraiment très utile. Je vais prendre la cave et je vais relancer. Prédation plus 4. Une deuxième brosse. Oh là là, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Une deuxième brosse et un deuxième supplément nutritif. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Allez, faites l'amour. Et de 1. Il s'est fait dévorer instantanément. Le pauvre. Le pauvre. Mais il est trop bien, le... cet objet. Hein. Le jouet souris. Waouh. Bon, vous allez me donner des lapins et des ratus, s'il vous plaît. Je veux les trucs qui baisent. Non, t'es en train de tout dévorer. T'es en train de foutre en l'air l'écosystème. Bon, l'avantage, c'est que le souris lapin ne se fait pas dévorer par les aigles. Et c'est pour ça le gros ratus, bah, c'est bien aussi. Que 15%, mais quand même. Oh, le caca s'est tombé sur le gros aigle. Il nous a filé 26. Un gros ratus. Le castor est bien, mais... la flaque serait bien pour les aigles. L'herbe bien pour les lapins. Mais les lapins, on en a plus, ils sont tous fait becter. Oh, on va prendre un gros rat. Le but, c'est de spammer les proies pour les aigles. C'est vrai que le combo est très évident. Le chipmunk dévoré. Notre capybara. C'est vrai que le caca est très intéressant. Si ça tombe sur un des deux ex, ça peut être génial. Putain, le paresseux plus les panneaux de construction, c'est bien chiant. Dévore mes boîtes de bouffe. Pour chat. Pour Dieu, chat. Allez, payons. Mmh, voilà, tirelire, je pense qu'on est tranquille. Une autre cave, ça c'est bien. On va reset. Appétit du renard, non. Appétit de l'aigle plus 1. Je vais prendre un nid. Je vais reset. Parce qu'il n'y a rien qui est intéressant. C'est que le rat de base, en plus, c'est pas le gros rat, c'est dommage pour les vers. Ajoute un objet supplémentaire dans la boutique. Probabilité d'incuber un œuf dans un nid est augmentée de 10%. Je vais prendre l'étagère. Je pense qu'on est bon. Oui, on a fait un gros ratus. Du coup, on est à 3 gros rats. Le petit loir. Bah, je vais prendre le loir. Parce que oui, le loir, il y a une activité de nuit maintenant. Il y a deux phases par jour maintenant.
Enfin, par journée, plutôt. J'ajoute une cave tous les 5 jours. Oh, en plus, il n'y avait rien de bien comparé à ça. J'approuve. Il y a plein de caca en haut à gauche. Pourquoi personne ne ramasse? Ah oui, c'est bien quand il y a de la prédation. Oui. Et les souris lapins ne peuvent pas baiser entre eux. Du coup, je vais prendre un petit ratus. Ok, on est bon pour ce niveau. Tu peux prendre 3 aigles. Les effets sonores de je me tue. C'est vraiment ridicule. Si je fais le martre, il risque de becter les gros ratus. C'est pas mon objectif. Du coup, ce sera un chipmunk pour feed les aigles. Ah, on a plus de lapins, ils nous en proposent plus aucun. Ce qui est démentiel, c'est que si y a un caca qui tombe sur une cave et qu'il y a 3 vermines dessus, ça trigger les 3. Ça c'est fou. Putain, 2100 le prochain. Du coup, on se retrouve avec 14. Oh, il y a un objet rouge. Il y a un objet rouge. Assaisonnement pour la viande. Tous les... Ah, quoi? Comment? Tous les 2 emplacements vides sur le champ, tous les carnivores plus 1 d'offrande journalière. Mon dieu. Oh, ça coûte 8. Oh là là. Oh, on a l'ouverture de boîte. Bon, déjà, assaisonnement pour la viande, oui. Tout de suite. Ouais, mais il me reste 6. Tu le prends. Je vais le prendre déjà, j'avais hésité à le prendre. Oh, fondeur, tous les animaux qui sortent d'un œuf plus 2 d'offrande journalière. Oh, mais il y a des trucs trop bien. Il y a des trucs trop bien. Oh, c'est dommage, les nids, on n'a pas réussi à les trigger. Hein. Oh, il y avait une autre cave pour 2, mais j'ai plus rien. Ouais, l'étagère, avoir un objet de plus pour la boutique, très intéressant. Très intéressant. Notre Loire. Plus 3. Parce que là, j'ai aigle. J'ai les ratus aussi. Ça fait plus 5. Vas-y. Ouais, je vais prendre une pire. Oui, mais... Je vais prendre le Loir. Il y a une chance pour qu'il se reproduise. Elle est infime, mais elle est présente. Oh, les capybaras peuvent envoyer des cacas sur d'autres capybaras. On a la taupe qui nous fait des caves aussi à la chaîne. Allez les Loirs, faut vous reproduire. Ah, ça risque d'être serré pour le pognon. Hein. Je reproduis pas assez. Un autre capybara.
pas y arriver. Ouais, je pense que ça va être un échec, là. What, j'ai pris 54. Bah, le pan, le problème, c'est que les oiseaux... Ah non, c'est pas ça. Hein. Sinon, dès qu'il y a un autre blaireau... Après, ça ferait 6. La pige, les capybaras, les aigles... Il me manque souris lapin pour que ce soit intéressant. Après, le blaireau, il est tout seul. Hein. Je vais prendre un blaireau. En plus, il y a le bonus des carnivores. Oui, il était sur un nid. Dis-moi qu'il a fait un œuf. Je pense que je vais échouer. Hein. 3 jours. 800. C'est hard, hein. Faites l'amour, s'il vous plaît. On a gagné un capybara. Ah, on a débloqué un objet. La hutte de l'amour. Les animaux ajoutés par l'accouplement hériteront de l'offrande journalière. What? On peut avoir un tigre à dents de sabre? Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? 2% de chance de l'avoir. Prédation... Tous ceux qui sont non carnivores, hein, prédation. Succès, gagner l'offrande journalière et lâcher les restes gourmets sur un emplacement vide. Les restes gourmets. Peut-être dévoré par un prédateur avec prédation, ok. Lui donnant X plus 5 offrandes, X étant son offrande journalière. De 20. Moins 50 des animaux origines. Oh putain, ça devient magique. Genre, ils mettent des formules avec X et tout. j'ai envie de le prendre, surtout qu'il a plus 20. Il va me becter absolument tous mes reproducteurs. Et mes ex se retrouveront bien cons. Les adjacents. Ouais, mais je pense pas réussir en fait en 2 jours. Je vais le prendre du coup. Comme ça, il sera débloqué pour la collection. À mon avis, il va faire un massacre et ça va me foutre en l'air la reproduction pour niveau 9. Mais je pense pas que je passe le 8 là déjà. Oh! Oh, il bute les aigles! Mais ils avaient dit tous les non-prédateurs. Ah, mais non! C'est parce que j'ai le niveau 3. Oui, donc il a récupéré la contribution journalière. Oh, ouf! Ok. Ah, mais du coup, il a laissé de la viande. Oh là là! Ah ouais. Et surtout, il a dévoré le paresseux. Bon bah tout va claquer du coup. On va refaire les loirs. Hein. On va refaire les loirs. Mais t'as vu, il a tout becté. C'est pas fini, hein. Oh, ça va être un massacre. Oh, tous les restes qu'il a donné. Ah, du coup, on a réussi à passer le niveau 8. 2100. On avait que 335 d'avance, c'est très peu. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Protéger les jeunes. Le temps de croissance des jeunes est réduit de moitié. Ah ouais, donc les poussins, les agneaux, les veaux. Mais j'ai pas ça, ça ne nous intéresse pas. Les nivides ont 10% de chance de shooter un œuf. C'est intéressant.
Mon Dieu, on a 24! On a 24 boîtes de conserve, mais merci le l'ouvre-boîte. Avec tout ce qui a été dévoré, on a chopé... On a 24 OMG. On a un ticket de loterie en plus, donc... Oh. Ah bah, on va reprendre un nid. On va prendre... La Tory Gates. La porte Tory. Plus de chances de se reproduire sur les... Nivide, qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Le bâton magique. J'avais dit qu'il y avait un cochon d'Inde. Je le savais. Je savais qu'il y avait des cochons d'Inde. Je savais que ce dessin ressemblait à un cochon d'Inde. Alors, c'est un objet pour le cochon d'Inde, mais je sais pas du tout ce que ça, ce qui fait le cochon d'Inde. Assimile. Attends, fewer adjacents into those with more. Qu'est-ce qu'ils entendent par assimiler? Convertir? Genre, il y a deux lapins, trois rats, ça prend les deux lapins et ça les transforme en rats? Mais il est fou, le cochon d'Inde, si c'est ça. Et le bâton, ça inverse? Ouais, c'est ça. Transforme les... Mais peu importe la rareté, peu importe... Faut juste qu'il soit de la famille. Oh putain, ça peut être ouf. Oh, il doit avoir des combos. Mais je le vois pas, mais... Ça dépend de ce qu'il y a, ce qu'il y a sur ton champ, ouais. Du coup, une cave. Une flaque aussi, parce que là, il y a beaucoup de prédation. Je vais relancer de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Une queue de gerbille, hein. Le rat kangourou. J'ai jamais vu celui-là. Attends, rat kangourou. Ah, mais on l'avait débloqué. Mais on n'a jamais pu le voir. Parce qu'il saute entre les animaux. Sur le champ, entre une et trois fois. Et ça donne deux fois le montant de journée en offrande. D'accord. Alors, l'objet, ça fait qu'il déclenche automatiquement sa capacité à sauter. Et même en passant au-dessus d'un autre rat kangourou. Encore ce qu'il faut. Probabilité que les œufs dans les nids... Probabilité d'incubation. Ok, les nids... Ah, il y a un autre objet. Le bambou doré. Le nombre d'animaux affectés par le panda est augmenté de 1. On n'a pas de panda. Plus 1 sur un échec de prédation. Plus 1 journalier. Je vais prendre l'œuf. Un nid de l'herbe. Et on va rester comme ça. Ouais. Ok. Il donne combien? Ah, il donne 173! Le tigre à dents de sable. 173, ma gueule! Les loirs, ils se reproduisent pas ou quoi? Parce qu'ils tombent souvent les uns à côté des autres. Et on a le niveau 3 de vermine. Il faut que les capybaras fassent caca sur le tigre à dents de sabre. Non, on peut avoir un deuxième tigre à dents de sabre. Mais c'est que rareté plus basse, hein. Ils peuvent pas s'entretuer du coup. Ouais, l'aura réti. Bah, on va faire un blaireau, comme ça il se fera dévorer. Soit... Ah bah non, il a la même rareté que l'aigle. Non, bah c'est le tigre qui doit le zigouiller. Ouais, les loirs, ils font que de dormir. Ils baissent jamais. Ah, je me disais, je fais tiens, c'est bizarre, ils bectent pas le blaireau. Un gros ratus. Pourtant, il y a bien écrit quand deux vermines identiques sont adjacentes. Après, 10%, c'est peu, hein. Mais ils sont quand même... Souvent tombé côte à côte. Ah oui, il y a l'arbre. L'arbre. Le birdie bird, beaucoup trop chelou. Retire tous les animaux, sauf les animaux en voie d'extinction. À son apparition, gagner. Contribution journalière. Ouais, mais moi je suis vraiment full prédation. Si je fais ça, là, ça jouerait contre moi. Pareil, le mart, ça jouerait contre moi. Je vais faire un autre gros rat. Un gros ratus. Ils sont côte à côte, ils sont du même type et pourtant,
pas la mort. Adieu la taupe. Elle aura bien fait son travail. Et il nous reste 1, 2, 3, on a 4 tuiles. 4 tuiles qui n'ont pas de tuiles spéciales. C'était beaucoup plus vite nos parties précédentes. C'était un événement. Oh, il y a un morceau de viande. 32 journaliers. Bon, on sait tout de suite que le MVP, c'est le tigre. Hein. À Dansab, il n'y a même pas besoin de regarder. La hyène se ferait becquer. Du coup, je vais la prendre. Après, les oiseaux, il n'y en a pas. En fait, c'est plus 4 qui est intéressant. Parce que le tigre... En fait, la viande de gourmet, c'est par rapport à la valeur initiale journalière. Du coup, je vais prendre le pan. Ouais, c'est un prédateur alpha, en fait. Hein. Le tigre, il bousille tout. Petit œuf qui a donné un aigle, quand même. Hein. On a mis du temps à avoir une incubation. On est sur le point de finir. Pour dire à quel point on a attendu. Pareil, la pie. Et là, pour se faire becquer, rien d'autre. Mais ouais, les loirs ne se reproduisent pas. On est jour 56, ça fait un moment qu'on en a des loirs. Oh, le massacre. Putain, il a donné 457! Là, le problème, c'est que la vermine, il nous en reste que 4. Je vais prendre le cochon d'Inde parce que l'offrande, elle est de plus 4. C'est purement, purement les chiffres. Hein. Et ben, c'est passé à pas grand-chose. Hein. C'était serré, quand même. Non, on a fait des parties où on était allé beaucoup plus loin... Enfin, on avait vraiment énormément dépassé la demande d'offrande. Et là, là, c'était hard quand même. Hein. Au niveau 8, j'ai bien cru qu'on allait foirer. Fouf ! Oh la vache ! C'était pas simple, hein. C'était pas simple. On a réussi. Bah, je suis quand même content parce que on a réussi à voir des animaux qu'on n'avait jamais vus. Ouais, voilà, le MVP. Putain, rien que le tigre. Rien que le tigre, 3530 offrandes. Nom de Zeus. C'était un petit peu plus d'un tiers. Un petit peu plus d'un tiers. L'argent total, c'était juste le tigre. Mais la capacité, elle est vraiment folle hein, sur le tigre à dents de sabre. Je veux dire, même s'il n'aurait pas eu les restes gourmets, c'est un animal de fou. Juste prédation sur tout ce qui n'est pas carnivore. Yeah. Enfin, en gros, tu bouffes tout. Alors, si en plus, tu as le talent... Putain, mais j'ai trop de mal à parler, tu sens que je suis fatigué. Si tu as le talent des carnivores qui autorisent les carnivores... à dévorer d'autres carnivores d'une rareté plus basse d'acquérir leur offrande journalière. Mais c'est un ton, quoi. Il donne 592, là. On avait les suppléments qui faisaient plus 8 offrandes parce qu'on en avait 2 lorsqu'il y avait une prédation. Lorsqu'une vermine était retirée, ça faisait plus 2. Et ils avaient tant... En fait, c'est le jouet souris. Ouais. Quand ce truc-là, il est apparu, très bien. Très très bien, il y a eu un départ. Pareil pour l'assaisonnement viande. Non, on nous a donné tellement de boîtes de bouffe pour chat avec l'ouvre-boîte. Il est trop bien ce système. Faut avoir des prédateurs. Mais il est quand même trop bien. Sans surprise, un quadruple record vu qu'on est allé plus loin. Du coup, on a débloqué 3 choses. L'objet, oui,
le coût d'achat pour tous les objets, moins une boîte. Du coup, ça devient hyper intéressant, certains objets. Notamment le repas gratuit qui était déjà indispensable. Alors, ça veut dire qu'il coûte encore moins cher qu'avant. Ticket de loterie, on a 20%... Ouais, si, 20%. Non, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on a globalement 8%. 0 et 1, donc 16% de faire négatif. 8% de récupérer nos billes. Ouais, la probabilité que tu fasses un bénéfice, elle est très large. Très bien, cet objet. La hutte de l'amour. Je suppose qu'il fallait se reproduire un maximum pour le débloquer, celui-là. Ah, peut-être que la carte de réduction, il fallait peut-être acheter un maximum de trucs. Ah ouais, ah, c'est très possible. Et on a eu... C'est un jouet, ça. Ouais, quand c'est rond comme ça, c'est les jouets. Le Roly Poly. Pour chaque 5... l'autre 5 boîtes de nourriture, gagner un intérêt supplémentaire. Ok, ça double... Ça double l'épargne. Ça double l'épargne. Ah là, on a la possibilité de faire des choix maintenant sur les objets. Je trouve pas si bien que ça le Roly Poly comparé à un refresh gratuit de la boutique. Ça dépend des personnages. Parce que là on n'a pas eu de nouveaux personnages. Peut-être qu'avec le chanceux. Je sais pas. Est-ce qu'on gagne quand même la loterie à chaque. Oh, je sais pas. Ils disent les conditions pour débloquer les objets ou pas? Est-ce que la carte de réduction. Pas découvert. Et il y en a, ils sont à condition. Pas fou, j'en ai vu qui était loqué. C'est bizarre, ils donnaient les conditions. Bon, les objets, c'est sûr. Merde, c'est bizarre, ils donnent pas les conditions. Attends, c'était peut-être pour les animaux. Ah, là, il y en a. Les animaux bougent. 60 fois. Survivre alors qu'il y a 5 oiseaux en prédation. Accumuler 20 000 offrandes à travers les câbles. 20 000 ? Ah, j'ai fait 1122 déjà, c'est pas mal quoi pour un... C'est pas mal du tout. Ok les amis, bon malheureusement c'est la fin de cette VOD, j'espère que cet épisode de 4 Codes Ranch vous aura plu les amis, c'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous, ça me traite en fer, je vous dis naturellement, ciao à la prochaine.